En Somalie, l'OMS a déclaré que l'épidémie de choléra avait laissé plus de 25 000 personnes malades et tué plus de 500 personnes dans les régions touchées par la sécheresse depuis janvier 2017. Le président burkinabé Roch Kabore a été reçu vendredi par son homologue français François Hollande au palais de l'Élysée. En Côte d'Ivoire, dans l'affaire des disparus du Novotel, le général Bruno Dogbé Blé, ancien chef de la garde républicaine ivoirienne, ainsi que d'autres accusés ont été condamnés hier à des peines de 6 à 20 ans de prison. Au Nigeria, rassemblement à Abuja pour marquer le 3e anniversaire de l'enlèvement des filles du Chibok. Il y a en effet 3 ans, 276 écolières ont été enlevées par Boko Haram. Nombre d'entre elles sont encore captives.